Poisson. Ouais. Allez les copains, c'est parti. Comme d'habitude, je commence ma vidéo par vous expliquer un petit peu l'objectif. Donc vous voyez, on est sur vraiment un immense lac. C'est très très difficile de se trouver des spots et de savoir par quoi commencer. C'est vraiment le gros problème de ces gros spots. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est le genre de bordure que vous avez là. C'est-à-dire que vous avez vraiment des bordures qui sont bien immergées avec des arbres qui chutent dans l'eau et on est face au soleil. Moi, je trouve ça super important le matin de plutôt pêcher face au soleil et dans l'après-midi, quand il fait beaucoup plus chaud, que les poissons soient plutôt à l'ombre. Aujourd'hui, on a vraiment des conditions qui sont optimales pour la pêche parce qu'il y a du vent. On sait que les grands lacs avec le vent sont beaucoup plus faciles à pêcher pour une simple et bonne raison qu'en fait le voilage du vent fait que ça couvre un petit peu l'eau en surface et ça permet aux brochets, aux perches de chasser beaucoup plus facilement sans être visibles par leur proie. Et donc les prédateurs sont beaucoup plus actifs et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. On va essayer un petit peu ces bordures là, on va essayer d'autres spots au fur et à mesure de la journée. J'ai pas pris beaucoup d'essence, je suis un petit peu dans la galère, mais bon, ça devrait le faire. Allez les petits potes, on va essayer ces petites bordures là, on va essayer un petit peu au cranking avec des leurres soupes. Bref, on va tester ça. Allez, c'est parti. Là, on va tester au bait switcher parce que c'est un leurre qui marche très très fort ici et parce que bon, moi j'aime bien pêcher les perches, voilà. Même si ça fait moins de vues sur YouTube, je m'en balance. Ah, poisson. Ouais. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que c'est une perche. Ouh. Bon, mais voilà les petits potes, la micro perche, c'est un truc de débile. Hein. Une micro perche, on sait pas. J'ai cru que ça allait être un peu plus fort, mais elle est superbe. Allez, on la relâche, c'est tellement le bordel dans le bateau que je peux même pas me mettre au bord. Allez, ma copine, hop. Salut. Voilà, Poscaille. Et c'est encore un mini fish. Voilà les copains. Mini perchette. Allez ma copine. Hop. Salut. J'aime bien forcer sur les pointes comme ça. Il y a du fish dans les pointes, je te le dis. Je te mens pas mon pote. Ça c'est un rocher ça. Ah, poisson. Oui. Ça perche. Bon, ben, je crois qu'aujourd'hui, si je voulais encore faire un carton de pêche, je pourrais. Voilà, petite perche, hein. Magnifique perche. Comme d'hab, hein, c'est vraiment le gabarit, mais bon, c'est rigolo, on s'amuse bien. Hop. Salut ma copine. Allez, vraiment super. Dans les pointes, toujours. Hein. Les pointes comme ça, rocheuses, si vous voulez, ça abrite très très facilement des carnassiers, parce qu'en fait, le poisson blanc, quand il arrive par là, en fait, le carnassier, il peut se planquer, boum, il peut jaillir. Et inversement, de l'autre côté, c'est vraiment une très très bonne planque, et c'est pas à négliger à la pêche. Vous voyez qu'au big bait, enfin, avec des leurres un peu plus gros, j'ai pas déclenché de brochet, mais dès que j'ai mis le petit leurre qui est ici, bah, ça a déclenché, donc ça fait vraiment plaisir. Bon les potes, je viens de sortir un petit Rogan de chez Kaplan, un petit Rogan là, c'est un bon petit leurre, hein. Franchement j'avais jamais testé, c'est grâce à mon pote Richard là que je suis en train d'en tester. Bon, j'ai des couleurs assez vives, mais je sais que dans l'eau, chez les poissons, le rouge se voit un peu moins que le bleu, donc vu que j'ai un bleu et un rouge, ben, j'ai sorti le rouge. On va voir si ça déclenche du brochet, et puis sinon c'est pas grave, on... De temps en temps, continue à sortir mon petit bait switcher. Ça me garantit vraiment des poissons, donc c'est intéressant. Moi, je pêche les deux et c'est cool, quoi. Thank you.
J'ai rempli ses poisson, ouais. Ah. C'est un pike. Ouais, mais ça fait un moment que je dis que je vais en faire un, de toute façon. Il est pas gros, je pense, mais je te dis que... Eh, quoique... Quoique... Ouais, broché. Et voilà, je le savais. Yes. Oh, je le... je vous le montre de suite, les copains. Eh ben, il est pas si dégueu. Les pattes, je vous le montre ou pas? Il est dégueulasse, alors c'est pas du tout parce qu'il a traîné par terre, parce que je suis sur le bateau, c'est mon épuisette était dégueu. Voilà le petit pike, les potes, il est magnifique. Allez, on va se le relâcher tout de suite. Un petit 50, quoi, qui va bien au Fox Rage répliquant. Ça fait super plaisir dans la bordure, là, c'était génial. Allez, on se le relâche. On le relâche tout doucement. Oh, poisson. Ouais. Ouf. Oh, la touche, mon pote. Il est pas content. Petit pike. Ah, je l'ai ferré comme un cochon. Ah, je suis un peu déçu de mon ferrage, mais... Voilà. Décroché, rattrapé dans l'épuisette. Et si ça, c'est pas du talent, mon gars. Voilà. Broché. Ouh. Yes. Ben, il est comme l'autre. Hein. Ah. Voilà. Un petit pikey. Magnifique. Il est tout petit, mais ça fait super plaisir parce que, ben voilà, il a mordu quand même sur un leurre assez costaud. On le release. Allez. Il est là. Il est là, il va encore me glisser des doigts, c'est sûr. Quand ils sentent l'eau, il faut les serrer un peu. Là, il m'a glissé des doigts, voilà. Vous avez vu ça, les copains? L'eau, elle est tellement claire, elle est super là. Ça fait super plaisir de brocher quelques perches. On a une très très belle sélection, on va pas tarder à rentrer, mais ça fait plaisir. Il était pas dans beaucoup d'eau quand il pensait. Il était pas dans beaucoup d'eau, cet escroc. Poisson. Je sais pas. Là, si c'est plus gros. Pas de beaucoup. Oh. Ah, il l'a recraché. Oh putain. Oh la vache. Bon, ben voilà. C'est ce qui s'appelle se faire dégommer en bon uniforme.
s'il y a du fish dans ce pont. Ça pourrait être marrant, non? Un petit fish là-dedans. Ouais, joli lancé. On met un petit peu dans les feuilles. Non, ça va. Oh, poisson. Eh, c'est pas mal en plus. C'est pas dégueu. Ouais, c'est une mini perche. Ah ouais. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Voilà. Dans l'espèce de tunnel, là. Attendez, on se pousse. C'est limite la plus grosse perche que j'ai fait aujourd'hui. C'est pour vous dire à quel point elles sont petites. Mais voilà, une belle perche comme ça, juste là-dedans, là, dans cette espèce de petit tunnel. Ça fait plaisir. Ma copine. Oui. Voilà, t'es juste là, yes. Regardez ça. On la voit comme si on l'avait là. Incroyable. On va essayer de voir s'il y en a d'autres. Clairement, pour répondre au titre de la vidéo, la solution pour réussir ta pêche et pour réussir à pêcher les poissons, c'est de multiplier les techniques. Alors j'avoue, c'est pas toujours simple du bord. Moi, je sais qu'à une époque, j'arrivais à transporter deux cannes. J'en avais une dans la main et j'en calais une dans le sac. C'est la solution. C'est-à-dire que tu vois, je suis arrivé, j'ai essayé au big bait. Alors toi, tu fais au big bait, au growler, toi, tu l'as pas vu parce que moi, je fais des cuts dans la vidéo. Pendant bien une heure et demie, j'ai essayé avec ça, ça n'a pas marché. Je suis passé sur du petit leurre, j'ai fait de la perche, du coup j'ai déclenché du poisson, j'ai pris du plaisir. Là, j'ai continué la pêche, je me suis dit, je vais revenir sur ce type de leurre. J'ai fait du brochet, je vais peut-être revenir sur du cranking, tu vois ce que je veux dire? Le but en fait, et la solution pour vraiment déclencher des poissons et pour réussir à pêcher le mieux possible, c'est de multiplier les techniques, question de... en fait, de brasser le plus large possible. Si par exemple, tu viens, je vais dire une bêtise, tu te dis, moi, demain, je vais faire du brochet, donc tu prends que des gros leurres et une grosse canne. Imagine que ce jour-là, les poissons actifs, c'était les perches. Alors, je ne dis pas que tu ne vas pas prendre quelques coups sur ton leurre, mais je dis que voilà, tu as pris un risque, et ce risque, c'est que du coup, tu peux ne rien avoir pêché ce jour-là. Donc, c'est pour ça que si tu peux, je dis bien si tu peux, prends plusieurs patterns. Moi, je vois maintenant, quand je vais sur des petits lacs, ce que je fais, c'est que je prends toujours deux cannes dans la bagnole. J'en ai une, la classique, celle que je vais utiliser, et je prends une ultra légère ou une plus grosse. Parce que comme ça, au moins, je peux pallier. Si je vois que, par exemple, un jour, j'ai une petite canne, je me fais couper de ouf, je me fais péter l'heure toute la journée par les brochets, au moins, j'ai la grosse canne dans la bagnole, je la sors et on voit ce que ça vaut. Je dis pas que c'est forcément la solution ultime, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut t'aider, t'aiguiller à réussir ta pêche. Donc vraiment, pour répondre au titre de la vidéo, parce que c'est vrai qu'on n'y répond pas toujours, la solution, c'est de multiplier les patterns, de multiplier les cannes avec toi, et si possible en pente 2, c'est-à-dire une médium un peu forte et une légère. Et normalement, tu devrais quasi tout le temps faire du poisson. Évidemment, ça a un coût. Ça, je te le cache pas, donc voilà, je te mens pas là-dessus. C'est un peu cher d'avoir deux cannes. Mais aujourd'hui, avec ce que propose Caperlan, ce que proposent certaines marques, franchement, si tu es un peu débrouillard et un peu patient, je suis sûr qu'il y a moyen que tu arrives à te faire au moins deux bonnes petites cannes qui vont bien. Et après, les leurres, ça se fait au fur et à mesure. Ça, c'est pas un souci, c'est la pêche, c'est la vie. Tout ne s'acquiert pas en quelques minutes. Voilà les potos. Belle perche là. Un big fish, big perch. Ouh, c'est. Je crois que. C'est le cas. Ah non, je l'ai raté. Ah, je suis déçu. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai pas. Ah, attends, on va recommencer. Oh, c'était gros. Ouais.